Nous sommes repartis pour loser quarter. Insomnia et Eclipse. Insomnia main Falcon et Eclipse main Dr Mario. Donc on voit qu'il y a une différence de vitesse entre Dr Mario et Falcon, hein, clairement. Exactement. Simplement, il faut se rappeler qu'il a des très très bons auto shield. Exactement. Dr Mario. Oh là là, mon dieu. Oh non. Et malheureusement, t'es un SD. Aïe 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 aïe. Ce genre de choses, il faut éviter au maximum. Eclipse qui va sûrement la regretter, celle-là. Allez, c'est pas fini. On sait que au niveau de défense, Eclipse qui peut faire de très belles choses. Exactement, hein, surtout. Attends, que, défense. Maintenant, le docteur Mario est vraiment pas mauvais. Il faudra rester aux aguets de ce Falcon qui veut la victoire. Hein. Exactement, ouais, ce Falcon qui balance des up smash dans le neutral. Ouais, ouais, attention, si ça ne passe pas, c'est puni. Les up B, le up B, les Falcons qui le catch. Là. Ça rencontre aux pilules, malheureusement, pour Eclipse, pardon. Parce que Insomnia, il est bien dans la partie. Ouais, c'est le Raptor Boost. Donc voilà. Ouais, on s'excuse, il y a eu une petite correction. Exactement, on avait marqué Guilty Gear au lieu de Smash Bros. Et la première stock de Insomnia qui tombe alors que Eclipse a déjà 148% sur sa deuxième. Là, il suffit d'un rien pour le Dr Mario, il va s'envoler très très loin. Ouais, là par contre, ça tue. Voilà. Ouais, c'est ce qu'on disait. Qu'il confirme. Side B2 Hopper, ça tue aux alentours de 140%. Il faut rester fort au niveau du mental. Exactement. Ça, il faut s'accrocher, observer le jeu au maximum, faire attention au Raptor Boost qui punit souvent dans les airs. Et ça commence à sentir le routine pour Eclipse. Il faut s'en souvenir, c'est important. Parce qu'on est sur Smashville et Falcon sur Smashville, c'est excellent. Oui, peu de crème, peu d'espace. Le Down B qui a été trouvé, qui va mettre quelques pourcents. Peut-être les 100% peut-être. Ouh, attention. C'est compliqué. Voilà, il faut pas faire ça, garçon. Ça s'est joué à rien. Oh, le up B out of shield, heureusement. Il a un très bon up B out of shield, Dr Mario. Surtout que le edge guard de Dr Mario aurait été critique. Le up B out of shield de Falcon qui grabe par travers le... Il y a nul qui l'a ralenti. Voilà, c'est ça. Il y a un apprentissage avec le Raptor Boost. Back, trop, mais tu ne tues pas. Ah, ça par contre, ah, ça, non, ta game peut pas, mais par contre ça tue. Voilà, là on est concentré, on fait attention. Une stock par 88% maintenant pour le Dr Mario. Il est passé loin. Ouais. Lui il essaye de gratter les pourcents. Attention. Ils ont une tilt qui envoie très bas et qui est très redoutable contre Marnock. Là il y a une tentative, dommage. Observation. Réflexe. C'est un match assez serré, hein, malgré les apparences des pourcentages. Exactement. Les deux joueurs ont à peu près le même niveau. C'est compliqué. Aïe, 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 ça va tuer, non, ça va tuer. Ah, malheureusement, ça va la tuer. La trajectoire trop prévisible, malheureusement. Et la première game qui a été prise par Insomnia. Donc 1-0 pour Insomnia. Donc le choix de la map qui sera donné à Eclipse. C'est Eclipse qui a pris le perdant qui choisit la map. Peut-être qu'on verra une map qui va avantager davantage Dr Mario. Hein. Oui, peut-être. Si Insomnia l'emporte, ce sera un upset. Clairement, regarde comme si c'est upset. C'est ça, hein. Ah, attends, quelqu'un part sur le chat. Ouais. Salut Wayne, salut Lucas. Ouais, c'est le changement de scène, il coupe le micro, malheureusement. Allez, on est sur Yoshi's Story. Une story qui est une très bonne map pour Dr Mario. Waouh, là, n'oublie pas.
Waouh, wow, spam les S-Smash. T'envoies des smash dans le neutral. Ouais. Le Falcon qui est aussi très bon hein, quand il s'agit d'avantage. Ils ne sont pas égaux pour revenir sur le terrain. Il lui a déjà rattrapé ses 50%. Aïe aïe aïe. Ah, il faut rester accroché, attentif, prêt à tenir. Ah, j'ai l'impression que le Falcon de Hart, c'est un Falcon boosté aux hormones. C'est clairement le cas. Hein. Il peut frapper, il te met 15%. Oh, ça bouge de frappe. Le jeu, voilà, qui est très serré, les pourcentages. Ils sont exactement les mêmes, 76-76. Ah, il s'arrête fini. Ouais, le B qui a été pris par notre autre B. Ça tombe de up smash. Bon, le B qui va pas tuer, heureusement c'est une bonne grande map. Il snipe avec ses up B quand même. A chaque fois il touche. Ouais, oui, il est très bon avec son up B. Voilà, un autre up B. Il y a des armes à disposition de l'autre côté aussi. Un autre up B aussi qui est pas mal. Voilà. Il tue pas encore, mais qui est pas loin. C'est compliqué. Là, attention, il a repris le centre du terrain. Ah, le désavantage est relancé. Attention, ça tente de gimp avec la pilule. Malheureusement, ça y arrive pas. Il veut pas prendre ses cachets. Là, ça va lui faire très très mal. Ouais, le up B qui a été. Oui, qui va lui faire perdre du temps du coup. Il a pas pu punir. 142% pour le Falcon, 116% pour le Dr Mario. Le B qui tente de. Le B qui rate. Voilà, c'est ça. Il faut faire et le backer qui va achever la stock de ce Falcon. Mais non, il ne meurt pas, heureusement. Toujours en vie, toujours là. Ouh, attention, ça peut être très dangereux pour. Non, dommage. Oh non, ça aurait pu être très dangereux pour Insomnia, mais malheureusement, pour Eclipse, il se SD. Et donc, ils sont tous les deux à 2 stocks partout, à 0%. Non, 14% pour le Falcon, 32% pour le Falcon. Allez, attention, attention, les jungles avec Captain Falcon, ça rigole pas. Les jungles. Jungle, c'est énorme, là. Ok. Sabi reverse les neutral B pour essayer de toucher avec des pilules et en gratter quelques dégâts. Le contrôle du terrain est important là dans cette situation. Exactement. Bon, j'ai presque l'impression qu'il n'y a pas de neutral. Il y en a, il y en a. Il y en a, mais il y en a un team. Il ne dure pas longtemps. Exactement. Et très vite, ça se chauffe et bam, c'est soit. C'est Insomnia, il vient toujours frapper. Ou ouais, attention. Heureusement c'était dans le mauvais sens. Le down B par contre qui va vous toucher et qui va faire beaucoup de dégâts, il fait 27% et ça tue avec le backer. Eclipse qui est en colère depuis la dernière game et qui va essayer de rattraper. Deux suicides consécutifs dans les deux. Exactement. Là, il faut vraiment être prêt à répliquer au moindre instant. Il lui montre ce qu'il sait faire. Ouh, attention, voilà, ça peut être très dangereux. Un Falcon of Stage qui te edgeguard, ça peut être extrêmement dangereux. Un downer n'est jamais loin. Voilà, la pilule qui prend un petit tap. Exactement. Voilà, ça aurait pu faire très cher. Comme quoi, peut-être que Yoshitori va être un bon choix pour le dog. Pour l'instant, il y a un petit avantage en faveur de Eclipse, mais il faut vraiment rester. Oh, Dunkey to F-Tilt. 42% le Falcon qui commence à être un petit peu mal. Essayez de préserver au maximum cette deuxième stock. 76%. Le Dr Mario qui utilise son up B et qui va envoyer Falcon tout en lui infligeant des dégâts. Le Raptor boost. 59%, il survit hein, quand même. Hein. Ouais, non, mais il s'accroche. Il live in. Oh, la pilule qui gimp. Malheureusement, il peut pas. Il peut le tuer juste après, j'ai rien dit. Avec le up B, donc. Un partout dans ce set. Par contre, il a été quasiment irréprochable. Un partout dans cette loser quarter. Au niveau défensif, vraiment. C'est, il avait l'œil de faucon. Il faisait attention à tout. Donc, moi, je le rappelle que j'affronte le vainqueur, donc je suis pas bien. Il est déjà 17h21. Ouais, on a commencé tard aussi.
parti. Et on est parti pour cette deuxième game, et cette troisième game. Troisième et dernière game. C'est beau 3 et cette prompte destination finale. S'il y a quelque chose à donner, c'est maintenant, il faut survivre. C'est si une défaite égale à une game, une disqualification tout simplement. Mais c'est Art, qui, enfin c'est Insomnia qui a pris le terrain. Oui oui, c'est Insomnia qui a choisi la mais je sais pas si c'est une très bonne idée de prendre Final Destination en tant que Falcon. Parce que Falcon repose vachement sur les plateformes. C'est vrai que je me pose la question de ce coup, hein, mais bon. Mais bon, peut-être qu'il a une idée derrière la tête. On verra bien, on verra bien. Peut-être que je me trompe. Je connais pas vraiment le Mini Falcon, enfin je le connais, mais. Non, mais je le connais pas en détail. Tu as raison, c'est vrai que normalement, on fait usage des Falcons avec Falcon. Ouh, attention, voilà. Le Falcon Punch qui est tenté. Ça va être puni avec une Dance Ruin tout backer. Le backer pitch pas, malheureusement. Ah, ça va être fini ça. Oh là là. Non, ok, d'accord, ok, d'accord, ouais, une DF, c'est pas mal pour Falcon. Ouais, d'accord. Ah, c'est vrai. Même Fatality adore y aller. C'est vrai qu'effectivement, on peut faire des choses en dessous, juste en dessous de la map. Effectivement. Mais après, contre un dog, je suis. Bon, peut-être que c'est une bonne idée en vrai. C'est vrai que techniquement, il est très vulnérable, Dr. Mario, en expert. Surtout qu'il peut se faire juggle extrêmement facilement avec Falcon. Oulala, ça tombe de la B, ça tombe de la F smash en punition. Encore un up smash cette fois-ci, mais il faut qu'il arrête de faire des smash hein, parce que là ça commence à être vachement compliqué pour lui. Il y a trop de précipitation là. On précipite. Prend des options qui sont plus sûres. Ah là, ça finit clairement. Donc, attention, il n'y aura pas de nerf. Oh là là, le smash. Up smash qui va pas tuer, mais qui va le mettre en pourcentage de kill. Ah, il ne punit pas. Le mind game, il n'a pas puni. Le mind game qui ne fonctionne pas vraiment, j'ai l'impression. Non, peut-être qu'il a pas le. Voilà, ça. Ouh, le B. Et 140% pour le doc à 2 stocks, ça commence à être pas bien là. Allez, il se fait couper comme Ronaldinho l'a fait. Très compliqué, ça va être très compliqué. Le Falcon qui a cru qu'il était Zidane pendant une minute, il a shooté le Dr Mario. Mais normalement, les sportifs respectent les médecins, c'est pas normal. Ah, peut-être qu'il lui a donné un cachet pas trop bon, peut-être. Ouais, ça n'avait pas le goût fraise, il est pas content. Exactement. Attention, il va le chercher. Oh, le Falcon Punch qui est tenté mais qui n'est pas reverse, donc il ne touche pas. Il s'est fait un SD. Suicide, attention. Faut éviter ça au maximum. Ah oui, du smash. Oh là là, j'ai peur, avec le nerf. Smash Xeleno. On fait du smash, on a une petite commu ici, on est bien. Voilà, le Raptor Boost, toujours à 123% pour le doc, là ça commence à être assez compliqué. C'est hein. Ça reste. Ouais, un up. Attention, peut-être que la Commentator's Curse. Oh là, attention. Très attention avec la dash attack qui va pas tuer mais qui va l'envoyer upstage. La double. Heureusement, il a réussi à se rattraper. Ça n'arrive pas à punir le up B de Falcon parce qu'il peut très bien drift. Il gratte un peu les pourcents malheureusement. Falcon de Gram et l'envoie offstage. Le Dr Mario offstage est très vulnérable. Et le up B qui touche à 2 km et qui tue. C'est fini. 2-1 pour Insomnia. C'était incroyable. Insomnia qui se qualifie du coup pour les losers semi.